Petit. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Parti vert libéral suisse en raison des élections nationales qui se déroulent en Suisse. Le parti a été fondé en 2007 et est dirigé par Jürg Grossen. Le parti compte 5100 adhérents et 16 conseillers nationaux. En 2004, Martin Bäuml est président des Verts zurichois depuis 1998 et candidat à sa succession. Balthasar Glättli, lui, étant préféré lors de l'Assemblée générale du parti le 12 juin, Martin Bäuml décide de créer un nouveau parti cantonal. En l'espace d'un an, près de 300 personnes rejoignent le nouveau parti, fondé le 2 juillet 2004 et présidé par un trio, Martin Bäuml, Tiana Moser et Thomas Weibel. Ce schisme au sein des Verts zurichois conduit les Verts à suspendre Martin Bäuml de leur groupe parlementaire le 18 août 2004, puis à l'exclure pour avoir fondé avec Verena Diener un nouveau parti cantonal qui se distancie explicitement des Verts suisses et zurichois en qualifiant la politique des Verts de trop syndicale, trop gauchiste et trop dogmatique. Avec Bäuml, les Verts libéraux ont donc un siège au Conseil national durant la 47e législature, jusqu'en mai 2007. Ils sont également présents au Conseil d'État zurichois avec la présence de Verena Diener. C'est au début de l'année 2006 que les Verts libéraux participent pour la première fois à des élections communales. Si à Zurich ils n'atteignent pas le quota de 5% de voix qui permettent de siéger au conseil communal, ils obtiennent par contre 2 sièges sur 60 à Winterthur, 6 sièges sur 40 à Dübendorf et 2 sièges sur 36 dans les villes de Uster et Opfikon. Aux élections cantonales zurichoises du 15 avril 2007, les Verts libéraux obtiennent 10 sièges sur 180 au Grand Conseil, relançant la discussion sur l'opportunité de transformer le parti en parti national. Cette décision est finalement prise le 19 juillet 2007 et rassemble, en l'espace d'un an, près de 300 membres. Le nouveau parti est présidé par un trio, Tiana Moser, Thomas Weibel et lui-même. Aux élections fédérales du 21 octobre 2007, le parti décroche à Zurich 3 sièges au Conseil national et 1 siège au Conseil des États pour Zurich, le 25 novembre 2007 lors du second tour. En 2009, la deuxième section cantonale est Fribourg, la première section en Suisse romande. En 2010, la 13e section cantonale est celle du canton de Vaud. Elle est confondée et présidée par André Horry, ex-membre du Parti libéral radical. Aussi, en 2010, la 14e section cantonale est celle du canton de Genève, créée par Laurent Seydoux. En 2012, la section neuchâteloise voit le jour en tant que 15e aile du parti. La représentation des Verts libéraux au sein des grands conseils cantonaux est passée de 0 à 32 sièges lors des diverses élections cantonales de 2008 et 2009. Le parti se situe au centre de l'échiquier politique. Il prône des valeurs telles que l'écologie politique, le libéralisme et l'europhilie.